À tous aujourd'hui, on se retrouve pour le test de la RG35XX SP et je remercie le nouveau partenaire de la chaîne Make DIY pour l'envoi de la console. Vous aurez le lien direct en description. Je mettrai un logo quelque part par ici. Et donc, on va se retrouver tout de suite pour le test de cette petite console aux allures de Game Boy Advance. SP, on aura une première partie avec l'OS stock de la console et une deuxième partie où je vous montrerai un autre OS que j'ai fait sur une autre carte SD et euh, on, on verra euh, effectivement si c'est mieux ou pas de changer l'OS ou si avec l'OS de base c'est déjà très bien. Moi je pense que c'est bien avec celui de base, mais euh, je voulais quand même faire deux trois petits trucs pour voir. Euh, on va voir ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Et donc, comme je le disais, on se retrouve pour le test de cette RG35 XX SP. Donc je vous le dis tout de suite avec le trépied, le micro, tout ça. Je ne suis pas dans la position la plus pratique pour jouer. Donc vous attendez pas à des, à des extraits de, de malades quand on va jouer. Simplement, on va regarder ce qu'on peut faire avec. J'ai remis la micro SD avec l'OS stock. On va déjà faire le tour. Donc vous voyez quand même qu'on ressemble énormément à une Game Boy Advance SP. Simplement, on a ces deux boutons en plus. Elle est un petit peu plus grosse. On a aussi deux boutons en plus ici. Alors, vous m'en voulez pas, les allergies m'ont tué encore une fois. Donc, quand on fait le tour de la console, on a une prise USB-C et OTG qui va servir à la recharger, mais aussi à brancher des manettes, par exemple. On a une prise mini HDMI. On a sur le côté le bouton d'allumage, le bouton reset. On a en dessous... Un port micro SD numéro 1 où vous avez l'OS et vous pouvez mettre des jeux, et un port micro SD numéro 2 où vous pouvez mettre des jeux. Vous avez une prise casque et vous avez le, volume, le, le bouton volume plus et moins. Alors en sachant que en bernic, vous la livre avec une carte SD de 64 Go qui est euh, remplie de jeux, et sur le site du partenaire, vous avez une option pour avoir une micro SD en plus. De 128 Go. Qui sera elle aussi remplie de jeux. Alors moi, cette micro SD de 128 Go, du coup, je l'ai effacée. Et euh, j'ai mis un autre OS dessus. Parce que euh, quand on voit tout ce qu'il y a là, euh, j'avais pas besoin d'une deuxième. Où il y avait en plus plein de doublons. Sachant qu'en plus. Euh, même sur l'autre que j'ai refaite, j'ai même pas remis tous les jeux qu'il y avait sur celle-là. Donc, en termes de hardware pur. J'avais euh, une fiche, je ne sais pas ce que j'en ai fait, évidemment. Donc on a un écran, euh, c'est 3,5 pouces qui fait euh, 640 par 480 en résolution. On a un processeur Cortex A53 de 1,5 A5. 5 On a 1 Go de RAM. On a du Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. On a du Bluetooth 4.2. Apparemment, il y a des moteurs de vibration. Mais je n'ai pas joué à de, jeu, à de jeux qui, qui demandaient des vibrations, qui avaient des vibrations. Donc pour l'instant, je ne les ai pas eues, mais visiblement, il y a un moteur de vibration dedans. Elle pèse 192 grammes, mais c'est vrai qu'elle est, est légère. Je ne m'attendais pas à ça quand je l'ai sortie de la boîte. En plus, dans la boîte, donc, vous avez le câble USB-C pour la recharger. Vous avez un verre trempé avec, que j'ai mis, moi. Donc la console, déjà, elle est à un format où elle se ferme. Donc déjà, l'écran est protégé. Et en plus, il y a un verre trempé livré avec. Et il y a une carte SD du coup de 64 Go qui est euh, qui est livrée par Ambernik avec la console. Elle existe en plusieurs coloris que je vous mettrai à l'écran. Et je remercie là aussi le partenaire qui, en plus de m'avoir proposé la console, m'a proposé de choisir ma couleur. Donc euh, j'aurais été très content de la recevoir dans n'importe quelle couleur. Mais en plus, ils m'ont laissé choisir la couleur. Donc j'ai pris cette couleur, vous voyez, un peu Game Boy. Euh un peu Game Boy à l'ancienne, grise, avec les touches violettes. Couleur qu'on connaît bien. Mais je vous mettrai à l'écran les autres couleurs qui existent, parce qu'elles existent en version translucide. Et d'ailleurs, je crois qu'en version translucide, sur un forum, j'ai vu des choses. En gros, euh, vous démontez la coque, vous imprimez des sortes de kits qu'il y a sur des forums, là. Et vous mettez ça dans la coque et vous refermez la coque, quand vous avez une coque translucide, et ça vous permet de la décorer. Donc, euh, à voir. Donc, toute seule. Avec juste la carte de 64Go, elle vaut 75$ environ. Et 90$ avec une 128Go en plus. Euh, après, vous avez des différents accessoires. Il y a des sacoches de transport. Alors, la sacoche de transport un peu de ce type-là, euh, c'est à peu près 10$. Et vous en avez à 17$ qui sont des trucs genre en tissu, un peu fait main, beaucoup plus personnalisé. Donc, euh, à vous de voir. Il y a plein d'accessoires aussi sur le site. Et alors, moi, en ce n'est pas une marque... Euh, m'est totalement inconnu puisque j'avais déjà celle-là. Donc la RG350, alors celle-là, elle date. Hein. Euh, celle-là, elle a deux joysticks et tout. Mais alors, elle a un écran euh, 320 par 240, il me semble. Et enfin, euh, c'est ouais, vraiment plus pour de la 8 et 16 bits. Donc, elle a deux joysticks, tout ça. Mais elle est à la limite, elle va jusqu'à la PS1. Et encore, il faut bidouiller l'émulateur pour essayer d'optimiser. Et, et puis, bah, elle n'est pas à la résolution de la PS1. Mais c'était vraiment, euh, vraiment limite, mais ça date d'il y a quelques années. Celle-là, par contre, bah, vous le voyez forcément, elle a le forme factor d'une GBASP, donc elle n'a pas euh, les deux joysticks. Mais euh, on peut quand même aller assez loin avec. Du coup, on va la démarrer, on va voir un peu à quoi ressemble le stock OS, et puis on va euh, faire tourner quelques jeux. Et euh, ensuite, je vous ferai une deuxième partie de vidéo avec euh, Cnuli. Alors Cnuli, c'est rien d'autre qu'Arbato Serra qui a été. Euh, comment dire Qui a été adapté et rendu compatible avec la machine, qui est beaucoup plus personnalisable. Par contre, vous allez perdre euh, une ou deux petites fonctions. Après, je n'ai pas été dans le détail de toutes les fonctions qu'on gagne, qu'on perd et tout, mais je pourrais déjà vous parler d'un truc. C'est que dans l'écran, il y a un aimant. Et donc quand vous fermez la machine. Elle se met automatiquement en veille. Et vous voyez, vous la rouvrez. L'écran se rallume où vous en étiez. Même en jeu, même euh, voilà. Bah ça, avec Gnuli, forcément, euh, vous ne l'avez plus. Donc, attendez, je vais changer de position. Et donc, on arrive dans le menu. Donc, une interface très simple avec la salle de jeu. Rageux en gros. C'est pour retrouver tous les émulateurs. Directement. Un favori, historique, centre d'application et des paramètres. Donc vous voyez qu'on est totalement en français. Donc dans salle de jeu, on se retrouve comme ça. Et donc, bah, eh, on est sur euh, un form factor de Game Boy Advance. Donc euh, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Alors je joue à travers l'écran de la caméra, donc euh, on va aller chercher de la Game Boy, déjà, peut-être. On va aller chercher de la Game Boy. On va regarder ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut faire Allez, DuckTales. Comme ça, on va voir aussi. Et vous voyez, là, quand vous lancez un jeu Game Boy, vous avez l'écran vert comme on avait, la teinte verte comme on avait à l'époque sur la Game Boy. Vous avez le tour de l'écran de la Game Boy. On va baisser un peu le son. Et tout ça, c'est évidemment personnalisable dans les paramètres de l'émulateur. Même le petit compteur de FPS qui est là-haut, vous pouvez évidemment l'enlever. Le, Et donc bah là, quand on joue, on a, on a le jeu de l'époque avec, vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez bien, attendez, j'essaie de faire le point. On ne veut pas faire le point, c'est pas grave. Mais on voit les pixels comme on les voyait à l'époque. On a l'écran verdâtre comme on l'avait à l'époque. Ah merde. Je ne connais pas. Ah oui, d'accord, il fallait appuyer là. Je ne connais pas le... le DuckTales sur Game Boy. Mais donc, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça marche parfaitement bien. Bon, mon niveau était nul, mais ça. Euh, en même temps je joue à travers l'écran de, de, de la de la caméra donc voilà, alors on va pas aller sur de la Game Boy Color on a vu la Game Boy donc euh, voilà tout de suite le mieux c'est quand même d'aller euh, d'aller sur de la, de la GBA puisque on a le form factor d'une GBA donc, euh, donc on, va, on va aller tout de suite sur la GBA et vous allez voir que sur la GBA, j'ai vu Kirby. Bah, on va lancer un Kirby. Et là, hop, vous voyez, pareil, on a le petit overlay, Game Boy Advance, machin. On a, on a les pixels aussi sur l'écran. Bah, évidemment, encore une fois, la caméra ne va pas vouloir faire le point, donc vous ne les verrez pas. Mais on voit les petits pixels sur l'écran, tout ça. En fait, c'est vraiment euh, du logiciel. Hein. Ça, en vrai... Euh... En vrai, on ne les voit pas. Hein sur cet écran, mais euh, ils les ont rajoutés pour donner un côté plus réaliste. Et donc, bah évidemment, là encore une fois, on est sur de la Game Boy Advance. Donc, bah, fallait pas s'attendre à autre chose qu'un jeu qui fonctionne bien. Euh, la console, elle a été faite pour ça. Vous retrouvez même les, les touches, vous retrouvez tout ce que vous aviez à l'origine. Après, ce stock OS, honnêtement, euh, il a l'air de très bien fonctionner. Euh, moi, je, je le trouve juste un peu limité en personnalisation et, et j'aime pas trop son interface. Du coup, même si elle est assez simpliste, je la trouve pas très jolie, pas très personnalisable. Mais euh, on ne peut pas critiquer, il fonctionne. Donc, euh, il fonctionne et tout, tout a l'air de bien marcher, d'être compatible. De, voilà. Donc, à partir de là, euh, est-ce qu'on peut vraiment critiquer quelque chose qui fonctionne bien Je ne crois pas. Hop euh, non, c'était ça. Je me suis trompé de bouton. On va aller voir un peu plus haut puisqu'on n'a pas de joystick. Mais bon, alors on va pas faire de la Super NES et de la Mega Drive. Euh, je peux vous dire que ça fonctionne. J'ai joué à Mario Kart, tout ça euh, sur la sur la comment ça s'appelle sur la Super NES. Donc le mode 7, tout ça, il n'y a évidemment aucun problème. On va aller tout de suite voir de la PS1. On va essayer de trouver un jeu où il n'y a pas besoin des, des joysticks. Ou on peut jouer sans joystick. Parce qu'après, évidemment, comme on n'a pas des joysticks, bah, on va être un peu embêté à ce niveau-là. Mais euh, là encore, vous allez voir que... Normalement, en termes de performance, j'y ai joué encore hier à ce jeu et j'y ai joué sur Knully. Sur et, et ça fonctionnait très bien. Donc, euh, normalement, euh, il ne devrait pas y avoir de problème. Et vous allez voir que ça va me faire mentir au moment où on va faire la vidéo. Mais je ne pense pas. Euh, non, attendez. On va faire arcade. Ce simple un joueur je joue en tant qu'invité voilà on va pas on va pas chercher hop compliqué on va se lancer le plus rapidement possible deux un zebardi et donc bah là encore une fois vous voyez 60 FPS ouais. tranquille avec un rendu euh, amélioré par rapport à à la PS1 d'origine et ça en plus vous pouvez euh, totalement le personnaliser dans les paramètres des émulateurs hein. mettre un rendu x2 x3 sur la résolution de base de la machine tout ça bon après L'écran fait 640 par 480, donc est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'aller chercher du 1080p en rendu sur un écran qui ne les affiche pas Vous allez me dire, malgré tout, ça va affi affiner le jeu et tout, mais ça va surtout bouffer de la mémoire pour pas grand-chose. Donc vous voyez que ça fonctionne. Encore une fois, sur de la PS1, il n'y a pas de problème, même si on n'a pas de joystick. Sur des jeux qui ne le nécessitent pas forcément, et bah, la machine... Euh, Envoie de la PS1 sans problème. Ensuite, moi je suis monté encore un peu plus haut, puisque je suis monté sur de la Dreamcast. Encore une fois, on ne va pas aller chercher plus loin. On va prendre un jeu, je sais qu'il fonctionne sans joystick. On va peut-être commencer à toucher les limites l'appareil à ce moment-là, mais euh, ça reste en tout cas sur ce jeu-là euh, tout à fait euh, tout à fait jouable. Il taxi, ouais, ça, à chaque fois je me cours de bouton Allez, on va aller le plus vite possible. Encore une fois, on va pas, on va pas perdre de temps. Hey hey hey, yeah Voilà c'est là. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. J'essaye de, de rester cadré. Donc là vous voyez, on tourne plus à 60 images/seconde. Mais là encore une fois c'est stock. Hein. J'ai touché à aucun réglage sur ce, cet OS là. J'ai rien réglé, j'ai rien touché. Donc il y, y a certainement moyen d'optimiser des paramètres et de voilà. Mais bon, vous voyez, malgré tout, c'est tout à fait jouable. Et donc je vous confirme qu'il y a des vibrations. Puisque là, là, tout de suite, les vibrations, je les ai sur ce jeu. Donc je vous confirme qu'il y a bien des moteurs de vibrations. Mais bon, vous voyez, le jeu fonctionne, il est jouable. Il ne tourne pas tout le temps, évidemment, à 60 images secondes. Mais les baisses ne sont franchement pas... Euh, sautent pas forcément aux yeux et sont pas gênantes. Vous voyez, j'essaie de rouler un peu n'importe comment là où il y a du monde pour qu'on voit un peu ce que ça donne une fois chargé. Donc, et l'écran, l'écran en plus est franchement de bonne qualité. C'est un écran IPS. Hein. Évidemment, on cherche pas un écran OLED et tout à ce prix-là, mais vous voyez que ça fonctionne sur de la Dreamcast. Attendez, comment on fait Ouais, c'est bon. Donc ça fonctionne là aussi sur de la Dreamcast sans aucun problème et moi je suis allé je suis allé jusqu'à de la PSP et là euh, là j'arrivais au, aux limites de, de, de la machine euh, on va voir avec Knewly OS. mais j'ai pas essayé avec cet OS là et les émulateurs qu'il y a dans cette OS même si j'imagine que il n'y a pas énormément de différence sur les émulateurs qui sont choisis euh, on s'en fout j'ai lancé en plus ce jeu-là hier. J'en ai lancé d'autres. Hein. J'ai lancé que des jeux de, de course quasiment sur PSP parce qu'il n'y a, a que ça qui m'intéresse. Qui Par contre, avec NulliOS, j'avais essayé de lancer sous le Calibur et sous le Calibur, effectivement, sur Dreamcast, on arrivait euh, là aussi euh, à ce que j'appelle les limites de la machine, c'est que on avait le son qui, le son qui vraiment déconnait et euh, parfois il y avait des baisses de framerate. C'était jouable, mais euh, comme vous l'avez vu avec Crazy Taxi, ouais, on, a, on commence à arriver à toucher les limites peut-être du hardware. 2 Ça gueule un peu, j'ai l'impression. Là, on va voir ce que ça donne avec un Ridge Racer PSP. Mais ouais, non, voilà. Ça fait exactement pareil que sur Ocnuli avec PP. Comment PP SSPP. C'est qu'on a. On a parfois des frises. Ça a l'air de bien marcher comme ça, mais parfois on a des frises, on a des trucs qui sont un peu gênants. Donc, là, il y a peut-être un petit travail d'optimisation à faire vous-même avec les réglages dans l'émulateur. Mais. On va dire Dreamcast PSP, on arrive aux limites peut-être de la machine, mais en même temps elle n'a pas de joystick, donc j'ai envie de vous dire est-ce qu'elle a été pensée réellement pour jouer à ces consoles là Et encore je vous dis on arrive aux limites, mais vous voyez que là il y a un petit frise de temps en temps, mais euh, ça reste quand même euh, ça reste quand même pas trop mal, c'est jouable, hein, faut pas non plus. Euh... Mais de toute façon euh, je pense que cette machine avec son form factor elle a... Pas du tout été pensé pour jouer à ces jeux-là. Et moi, personnellement, c'est pas assez... Pardon, j'ai le hockey. C'est oh, pas que ça va pas m'emmerder. C'est pas à ces jeux-là que je jouerai avec cette machine-là, étant donné qu'on n'a pas le joystick. Il vaudrait mieux taper sur une machine qui a les deux joysticks, avec un form factor différent et un peu plus de puissance, si vraiment vous voulez jouer à ces jeux-là. Histoire d'avoir plus de marge. Mais, euh... Mais là, bon... Je ne crois pas que la machine elle, ait été pensée réellement pour jouer à ces jeux-là, étant donné qu'elle n'a pas les touches pour. Mais bon, vous voyez, malgré tout, euh, ça, ça fonctionne. Donc euh, après. Euh... Bon, attendez, retour, retour au menu. Merde. Retour au menu. Ouais, on est sur PP, SS, PP pareil. Donc, après, vous voyez, vous avez les paramètres de l'émulateur là. Hein, donc, euh, vous pouvez aussi modifier des choses là-dedans. Et, euh, et voir euh, si vous pouvez améliorer les performances. Euh, mais en tout cas, euh, je voudrais quand même vérifier quelque chose. Parce que bah, je vous ai parlé de Soul Calibur. Est-ce que je l'ai là Ouais, sur Dreamcast. On va quand même aller voir. Parce que je l'ai testé hier avec Knully. Euh, et euh, le son. Euh, le son merdouillé pas mal. Alors je voudrais voir si c'est dû peut-être à un émulateur différent ou des réglages différents ou... Je voudrais voir. Quand même. Avant, avant qu'on arrête. Hein, le... La caméra ne fait plus le point au bon endroit. Ah, non, non, je l'entends déjà là. Attendez. Je vais mettre un peu plus fort. Ah non, ça, non, ça fonctionne mieux. Effectivement, euh, ça fonctionne nettement mieux. Sur cet OS-là, avec ces réglages, cet émulateur, on fonctionne mieux que sur celui de Knully. De C'est plus fluide. Et, euh, et le son ne déconne pas comme je l'avais sur Oknuli euh, euh, hier en faisant mes tests. Donc, effectivement, c'est pas toujours. Il y a des mini baisses et tout. Mais là, c'est quand même très très jouable. Et euh, effectivement, je pense que je vais transférer mes ROMs, même si ce, cet OS là est moins, moins personnalisable et moins joli. Je vais transférer mes ROMs à moi, je vais effacer celle-là, je vais faire du tri, je vais transférer mes ROMs à moi et je pense que je vais... par euh... la caméra fait plus le point au bon endroit. Et je pense que je vais, euh, je vais repasser sur cet OS. Mais je vais quand même vous montrer ce qu'on peut faire. Euh, pour celui qui voudrait vraiment bricoler et changer d'OS. On peut quand même le faire. Donc écoutez. On va laisser cette première partie de vidéo à sa fin. Enfin, on va, on va arrêter cette première partie de vidéo, pardon, ici, et euh, on va aller changer d'OS et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un OS différent sur cette machine quand on aime un petit peu bricoler. On se retrouve tout de suite. Et donc, on se retrouve sur Knully. Et donc, bah, c'est un bateau, c'est rare. Hein. Donc, vous voyez, en termes de présentation. On n'est quand même pas sur la même chose. Et puis surtout ça, bah vous, pouvez, euh, vous pouvez le changer euh, comme vous voulez. Là, il y a des thèmes que j'ai téléchargés. Et, euh, par exemple, on va remettre on va Carbone. Et vous voyez, ça n'a plus rien à voir, encore une fois. Donc, en termes de personnalisation, il est beaucoup mieux. Il y a aussi un scrapper. Un scrapper, ça sert en gros à ça. Vous voyez là, par exemple, j'ai une image du jeu. On peut avoir une description, on peut avoir la pochette, on peut avoir plein de trucs. Et ça se fait automatiquement, vu que la console est connectée au Wi-Fi. Ça se fait automatiquement. Donc c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas sur celui d'origine, où c'est un peu plus chiant, où il faut le faire manuellement, mettre les images, machin. C'est un peu moins, euh, moins bien fait sur l'OS d'origine de, de la console. Mais il n'empêche que... Euh, on l'a vu, il y a quand même quelques trucs de compatibilité. Euh, quelques compatibilités qui sont visiblement meilleures sur, euh, sur celui de d'origine. Puisque là, je vais vous remettre euh, genre euh, Virtua Tennis. Il faudrait que je l'essaye avec... Euh, attendez, je change de position. Il faudrait que je l'essaye avec l'OS d'Ambernik. Parce qu'avec cet OS là, euh, le jeu, je vais vous le lancer. Euh, vous allez voir, il est injouable. Ça rame tellement, c'est injouable. Et vu la différence de performance sur Soul Calibur, je serais prêt à parier que finalement, ce jeu-là, si je le fous sur, euh, sur l'autre carte SD et que je joue avec l'OS d'origine, euh, il tournerait correctement. On va, on va y aller. On s'en fout. Déjà, le son. Le son déconne. Et vous voyez comment ça tourne Regardez. Et le son déconne et là c'est. C'est totalement euh, injouable. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais euh, avec la caméra, mais euh, là ça tourne. Euh, pff, je pense que ça tourne à 15 images. Quoi. Et le son euh, est d'une qualité horrible, quoi. Ça déconne, ça, ça saute. Ça. Donc vous donc voyez. Je pense que les, li les limites du changement d'OS, après, euh, elles s'appliquent ici. Maintenant, euh, il y a certainement plein d'optimisations à faire, plein de, plein de réglages, plein de trucs. J'ai commencé à en faire. J'ai amélioré certaines choses, mais je n'ai évidemment pas eu le temps de tout faire. Et puis, je ne connais pas tout, surtout. Mais après, c'est à vous de voir. Euh, moi, je voulais quand même vous montrer qu'on peut, euh, qu peut changer l'OS assez facilement sur cette machine. Il y a encore un autre OS compatible je me souviens plus du nom c'est quelque chose qui a une présentation très basique c'est genre des listes où il y a vraiment pas de décor et tout quoi c'est des listes c'est très moche mais ça démarre très rapidement et pour l'instant je crois qu'il y a quand même quelques problèmes de compatibilité quelques jeux qui marchent moins bien mais ça a l'air de bien marcher quand même malgré tout et euh, d'être assez réactif assez rapide donc après c'est à vous de regarder sur des forums de voir euh, éventuellement euh, quel OS peut vous convenir le mieux euh, Moi, je vous conseillerais de rester sur celui d'origine ou de passer sur Knully. Et après, si vous bricolez un peu ce genre de machine, bah, d'optimiser. Euh, maintenant, euh, si vous bricolez pas du tout, euh, restez sur le d'origine. Il est un peu moins joli en termes de présentation, mais euh, il fonctionne parfaitement bien. On l'a vu en termes d'optimisation et tout. Donc, moi, je vous conseillerais de, de rester quand même sur celui d'origine. Donc, on va se retrouver pour une petite conclusion, et ensuite, euh, bah, la vidéo sera terminée, euh, et je vous remercierai, et je remercierai une fois de plus le partenaire, et on s'arrêtera là-dessus. Bon, vous l'avez vu, cette petite machine, finalement, elle envoie quand même du lourd, elle marche plutôt bien. En termes de finition, j'en ai pas parlé, mais c'est plutôt, plutôt pas mal. C'est dans la moyenne de ce que fait en Bernic. donc c'est pas du très haut de gamme, mais euh, c'est en général plutôt bien fini. La batterie fait 3300 mAh. Je l'ai pas vidé entièrement en jeu encore, donc je pourrais pas vous dire combien de temps elle tient en jeu. Ce que je peux vous dire, c'est que pour la recharger de 15 à 100%, j'ai mis à peu près 2h30, 3h. Donc euh, j'espère, j'imagine qu'elle tient autant en jeu. Après ça dépendra des machines que vous allez faire tourner. Ça dépendra certainement de plein de choses. Euh, après elle est, elle est démontable. Je n'ai pas regardé ce que c'était comme batterie, mais je suppose qu'on peut en retrouver. Écoutez, moi cette machine, est-ce que je vous la conseille Alors, je vous la conseille plutôt, même si on a vu qu'on pouvait faire tourner des jeux Dreamcast, euh, etc. Je vous la conseille, au vu du form factor, évidemment. Si vous voulez jouer à des jeux 8-16 bits, donc faire de la, de la Game Boy, de la, de la Game Boy Advance évidemment, de la Super NES, de la Mega Drive, en plus vous avez le bon écran, puisqu'il fait pile deux fois la résolution d'une Mega Drive et d'une Super NES, donc en termes de ratio, de tout ça, il est pas mal pour ces machines-là. Euh, maintenant, si vous voulez jouer à, à plus, il euh, faut peut-être taper sur une console un peu déjà avec les joysticks et peut-être un peu plus cher, avec un peu plus de puissance, pour être sûr que les jeux tournent correctement dessus. Même si on a vu que là, avec l'OS d'origine, on peut faire tourner de la Dreamcast. Il manque les joysticks, donc à un moment donné, ça va forcément vous poser problème sur certains jeux. Donc, moi je vous la conseille, si vous voulez faire de la 8, 16 bits, éventuellement de la PS1 sur les jeux qui ne demandent pas le joystick, mais pour aller plus haut, il faudrait peut-être se diriger vers un autre modèle. Mais ça reste une très bonne machine. Je vous mets le lien en description. Euh, C'est le lien du partenaire. Alors, sachez que je ne touche rien sur les ventes. Hein. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas de tout ça. Euh, donc, je vous mets le lien. Si elle vous intéresse, eh ben foncez. Sinon, vous pouvez regarder ce que fait ambernique, comme autre modèle. Il y a aussi Pokidi, Retroid Pocket, etc. Ils vendent. Euh, ils vendent plusieurs marques. Ils ne vendent pas que en bernique. Donc, je vous remercie. Euh, moi, cette console, je vais l'emmener pendant mon déplacement. Là, euh, mon déplacement professionnel, je pense. Et je vais me refaire un petit Pokémon de euh, sur la GBA. Je, je pense que je vais faire ça. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.